Այսօր մենք կզրուցենք Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Բասմաջյան։ Պարոն Բասմաջյան, կպատմեք ինչ գործունեությամբ եք զբաղվում, մինչ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ ընտրվել է։ Bon, donc, je suis né en Argentine, à Buenos Aires. J'ai fait mes études normalement jusqu'à l'école secondaire, où j'ai fait des études de construction. J'ai passé mon enfance donc dans des écoles arméniennes, et puis après, c'était des écoles de l'Argentine, donc en parlant l'espagnol. Par la suite, je suis arrivé en France. Et en France, après avoir fait quelques boulots, j'ai fait l'école d'architecture. Et après m'avoir reçu avec un diplôme et en ayant été le meilleur élève de l'année 2000, j'ai fait des études avec l'école d'ingénieurs de Saint-Étienne. Donc j'habite maintenant Saint-Étienne, en France. Et après donc ces études, j'ai travaillé à mon compte en tant qu'architecte. Puis il y a eu le concours du mémorial que j'ai gagné. Et après cela, j'ai fait du travail avec d'autres architectes ou avec d'autres cabinets. Et puis j'ai arrêté l'architecture pour me consacrer sur d'autres domaines. Et aujourd'hui, je suis agent immobilier. Entre-temps, j'ai rencontré Lydia Malossian, qui m'a demandé d'avoir des images du mémorial. Et c'est comme ça que j'ai su l'existence de l'Arménie occidentale. Donc voilà, actuellement, c'est l'essentiel de mon travail, c'est à ce niveau-là. Որպես Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ, հիմա ինչ գործունեություն եք իրականացնում։ Après avoir connu Lydia Malossian, je suis rentré, donc, je suis devenu citoyen de l'Arménie occidentale. Et par la suite, Lydia et monsieur le président Armenak Abrahamian, ils se sont rendus compte que j'avais quelques aptitudes et ils m'ont proposé de me présenter à la députation. C'est comme ça qu'il y a 1 an et demi, je suis rentré à la députation et que je commençais à faire mes preuves dans cette institution où je n'avais aucune connaissance sur ce domaine-là. Donc j'ai travaillé dur, j'ai essayé de poser des questions à droite et à gauche. Et puis, un concours de circonstances a fait que je sois élu président par intérim du Parlement de l'Arménie occidentale. Le travail que je faisais avant d'être élu était un travail d'aide auprès des Lydia et auprès des autres parlementaires pour, par exemple, à chaque fois qu'on se réunissait, il fallait faire un compte-rendu. Donc je faisais mes comptes-rendus, que je les distribuais par la suite et que je le faisais valider. Donc, après, je faisais aussi un tout petit travail de secrétariat. Tout ça, ça m'a permis de voir un peu quel type de travail on fait dans un parlement, puisque c'était la première fois que j'assistais à des séances de parlement. Maintenant que j'ai été élu, j'ai cherché à trouver le moyen de faire une cohésion avec l'ensemble des députés du Parlement, parce que les 3-4 mois dans lesquels j'étais en intérim, j'ai vu qu'il y avait quelques dysfonctionnements, et donc ma tâche est de faire en sorte que ces dysfonctionnements n'existent plus et qu'ils puissent permettre meilleure fluidité dans le travail qu'on doit faire au sein du Parlement. À cet effet-là, je suis allé chercher d'autres personnes, par exemple Guillermo Calamagnan, qui lui est un avocat très renommé en Argentine, et j'essayais de donner une internationalisation à ce Parlement, et j'essaye de faire en sorte que les gens qui vont y entrer, ils aient en plus à apporter dans ce Parlement qui puisse lui-même être une force de proposition. Donc ça, c'est l'essentiel de mon travail, de voir et donner la parole à tous les parlementaires, de faire en sorte que chaque parlementaire puisse avoir sa parole, puisse avoir son point de vue, et qu'on puisse en débattre ensemble. Պարոն Բասմաջյան, ինչպես կազմավորվեց խորհրդարանը եւ ինչ ծրագրեր ունեք ապագայի համար? Le Parlement est formé des gens de toutes sortes, de tout univers. Donc il y a des gens qui sont très volontaires, et il y a des gens qui sont très secrets, il y a des gens qui ont beaucoup de savoir. Il y a des gens qui font des actions. Donc l'idée, c'est de pouvoir mélanger tout ça et de trouver le bon équilibre entre les uns et les autres. Il y en a qui ont une facilité au niveau de l'écrit, il y en a qui ont une facilité au niveau de relationnel. Et donc l'idée, c'est de pouvoir bien épouser les uns et les autres dans le travail quotidien que nous devons faire. Donc, le Parlement, je ne sais pas comment il a été formé au tout début, parce que je n'ai pas... j'assiste au Parlement depuis à peine un an et demi. Mais nous avons des projets. Et les projets que nous avons sont des projets à court terme et à long terme. Donc, dans les projets à court terme, actuellement, nous mettons... à trouver le moyen d'aider l'Arménie, d'aider l'Artsakh le plus possible dans notre action de création des lois et de force de propositions, de courriers qui sont envoyés à l'ensemble des parlementaires par le monde. C'est-à-dire que nous avons listé un ensemble des présidents de parlement à qui on leur a adressé une pétition à ces parlementaires. Actuellement, nous menons une campagne sur la France au niveau des députés et au niveau des sénateurs. Et bientôt, on va faire une campagne beaucoup plus grande de communication généralisée sur l'ensemble du monde. Ça, c'est les projets à court terme. Dans les projets à long terme, il s'agit de que les structures, notre structure, elle soit plus forte, elle soit meilleure en qualité. Et donc, ça, c'est un travail qui va doucement, mais nous écoutons les idées des uns et des autres pour justement pouvoir constituer un groupe qui ait une force de frappe conséquente. Voilà pour aujourd'hui. L'objectif principal des efforts d'un Parlement, c'est de faire en sorte de proposer des projets de loi pour que l'Arménie occidentale, l'État de l'Arménie occidentale et donc aussi tous les représentants de cet État, c'est-à-dire le peuple, car nous avons aussi des gens qui sont derrière nous, puissent être reconnus dans les différentes lois, dans les différentes propositions que nous faisons. Ça, c'est d'un ordre général. Pour pouvoir effectuer ce travail-là, nous écoutons les diverses sensibilités. Il y a des gens qui, par exemple, sont sensibles à toutes les actions familiales. Il y a des gens qui sont sensibles, je ne sais pas, aux questions de défense, ça peut être sensible aux questions intérieures du pays, aux questions d'éducation, aux questions du sport, aux questions du travail. Donc, toutes ces différentes zones de travail, il y a des parlementaires auxquels ils sont sensibles et nous essayons de leur apporter le moyen d'avoir des études qui nous permettent par la suite de constituer des lois. Bon, tout ceci, à l'heure où je vous parle, est en formation, et mais ceci dit, on a déjà statué des lois sur ces différents secteurs dont je vous ai énuméré. Voilà aujourd'hui ce que nous faisons, Il est très important que nous puissions continuer parce que l'Arménie occidentale a besoin de se structurer dans les lois que nous proposons. Ces lois permettent une meilleure assise pour le peuple et donc elle va permettre par la suite à tous ceux à qui c'est adressé ces lois de permettre une meilleure vie à tous ceux qui viendront vivre en Arménie occidentale. L'objet de tout notre travail, c'est que les gens puissent vivre et bien en Arménie occidentale. Voilà. Merci à vous pour ces questions. Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցեցինք Արեւմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանի հետ։